Bonjour. Voilà. Étant donné que vous êtes un des organisateurs de cette grande manifestation Souffle d'Haïti, c'est musique, peinture culturelle en France. Alors, pourquoi vous avez organisé cette manifestation aujourd'hui? Ah bien, cette manifestation a été organisée pour construire un centre d'art au Cap Haïtien qui s'appelle Cajeta, centre d'art pour les jeunes talents haïtiens. Et puis c'est Michel Bozy de Valence, l'un de nos amis, et en collaboration avec le DEFAP, le service protestant de mission, qui nous a invités pour faire cette tournée titrée Souffle d'Haïti, parce qu'après le tremblement de terre, tout ont été brisé, écrasé, et maintenant on veut reconstruire le pays par les arts. Et moi et mon ami Donald Victorin, et nous sommes là pour jouer, et moi je fais la musique, mais lui il fait de la peinture. Ça fait déjà 4 semaines, ouais, qu'on est déjà en France. D'accord. Avant ici, vous étiez où? Eh bien, avant, nous étions à Valence, à Lyon, à Grenoble, et puis au bout de Valence, et puis encore quoi d'autre, Paris. Et ensuite, après, nous allons retourner en Haïti mardi prochain, le 15. D'accord, mais c'est vrai. Comment vous faites pour... C'est vrai, je vois que vous avez parcouru la France. Comment vous arrivez avec votre équipe à financer ce déplacement, tout ça? Eh bien, c'est le DEFAP, Service protestant des missions, qui a été pris en charge tous les moyens de nous déplacer de Haïti pour arriver ici en France. Un petit diplôme qui met en souvenir de la tournée Souffle d'Haïti en novembre 2011. Et là, merci Donald, tu es témoin des liens qui unissent nos églises. Voilà, c'est signé par le secrétaire général. Et puis j'avais un dernier parce que c'est une personne que je voulais remercier particulièrement. Michel, si tu peux venir. Voilà. Michel qui est un des membres de l'équipe de Palace et qui a monté la tournée et accompagné les musiciens tout au long de leur présence en France. Voilà. Et donc je voulais remercier avec ce petit diplôme, mais qui permettra que ce soit un témoin de ce qui s'est vécu maintenant. Souffle d'Haïti représente pour nous toute une sorte de, on dit ça en créole, poté bourri en créole. C'est mettre ensemble pour essayer de sortir que de nos frères dans la difficulté. Alors nous essayons de participer dans le moyen que nous avons pour essayer de faire cela. Depuis combien d'années vous avez commencé à peindre? Ah bon, c'est dès mon plus jeune âge. Votre plus jeune âge, je vois que comment, en quelques minutes, vous avez fait un grand tableau, comment vous avez mélangé et vos peintures. Mais c'est vrai, ce talent, comment vous avez pu acquérir, c'est vrai, cette vélocité? Bon, naturellement, c'est tant pratiquant,
certains pratiquants et puis consulter les livres aussi. Alors auparavant j'étais un autodidacte, après j'ai reçu des cours dans du CNH aussi. Alors c'est ça, c'est la pratique, c'est de la pratique, et puis une fois qu'on a beaucoup de pratique et puis ça va tout seul, comme quoi. Ouais. Ça va tout seul. Alors vous êtes un peintre, il y a beaucoup de gens qui sont fiers de vous, je peux dire, de voir comment vous avez quelque chose de grand en vous. Mais c'est vous exprimez beaucoup de choses à travers votre peinture. Alors lorsque vous voyez la situation d'Haïti actuellement, qu'est-ce que vous souhaitez dire dans le monde entier? Bon, dans le monde entier, c'est que je souhaite que, en tant que haïtien, ne pose pas seulement la question dans le sens haïtien, mais dans le sens de l'humanité, de l'homme en général. Nous sommes un dans la planète. Nous devons nous entraider pour essayer de sortir les plus faibles dans leurs besoins. Alors c'est ça, c'est de la collaboration, de la compréhension, c'est tout ça que je souhaite. Et puis pour que nous puissions un jour dire bon, ah, alors enfin, nous pouvons respirer aussi tout ça. Lorsque... C'est que je voudrais bien que nous les Haïtiens, nous nous entendons sur beaucoup de points, nous unissons. Alors c'est ça qui nous manque ici. Parce que c'est la même chose qui se répète toutes les fois. Mais si nous pouvons nous unir, ça peut aller. D'après vous, la situation d'Haïti est due à une manque d'union, d'unité. Alors oui, exactement. Ça, c'est l'un des problèmes. Il y en a d'autres, mais c'est l'un des problèmes. Mais il faut essayer de nous concentrer sur nos problèmes. Et si nous concentrons, on dit, ah, il faut nous mettre ensemble. Alors ça, c'est déjà une solution. C'est déjà une solution, ça. Perspective pour Haïti 2013-2014, comment vous voyez? Est-ce que vous pensez que la situation d'Haïti sera améliorée? Ah bon, je l'espère bien, je l'espère. Je ne peux pas dire grand-chose sur cela, mais je l'espère bien. Et c'est à moins de... composer à musique pour Noël, et puis moi j'ai joué la première bagarre, moi je voulais dire toute gloire à Dieu, et puis merci pour bon Dieu pour ben, moi un cadeau moi j'ai utilisé pour jouer musique et puis partager avec le monde. C'est un CD bon Dieu te permet moi pour jouer. C'est 4 chansons pour Noël, chansons moun a reconnaissé, et puis moi t'es arrange, moi t'es joué tout instrument, mais moi pas joué saxophone. Ok. Expliquez pour Haïtien Kapkoto dans le monde entier, c'est Haïti où sorti? Dis encore. Ou sorti aux États-Unis d'Amérique? Oui, moi sorti à Caroline du Sud. Oui. Et puis moi visité Haïti souvent parce que moi j'ai permis moi pour aller pour enseigner musique à UCNH et puis à l'école Kajeta au Cap. Maintenant moi que vous participez dans une grande manifestation ça et souffre d'Haïti, qui ça vous senti, qui ça participé dans la manifestation ça, comment vous senti ça, qui ça vous voulez dire? Moi senti vraiment reconnaissant pour opportunité pour faire ça, pour aller ici, pour aller France et puis partager avec l'autre monde, pour contrer l'autre monde ici et puis pour partager Royaume Bonjour. Dans le tableau, et ces personnages-là vont faire conversation. D'abord, nous allons entendre parler le jeune garçon. Le jeune garçon et son professeur. Le jeune garçon. Cher prof, je sais que tu es un sacré chevronné. Dis-moi bien, qui est l'auteur de ce tableau dans lequel nous sommes? Le professeur de le monde. Il n'en a pas d'auteur. Le garçon. Ouais,
qu'ils sachent faire tout ça. Le prof, bien oui, c'est tout à fait par hasard, ce tableau, c'est une multiplication de lignes, de points et de couleurs. T'as compris? Le garçon. Oh oui, un peu, mais... Non, le professeur, il n'y a pas de mais. As-tu déjà vu même une seule fois ce prétendu artiste auteur de ce tableau? Le garçon, non, professeur, mais je pense qu'il devrait y avoir une main derrière tout ça. Le pauvre, eh bien, il n'existe pas. Car mes grands parents ne l'ont jamais vu, et moi non plus. J'ai pris beaucoup de temps à le chercher dans le ciel, derrière les arbres, partout, sans résultat. Alors, mon fils, plante-toi bien dans ta tête. Le tableau, lui, il existe. Car nous pouvons contempler tout ce qui est dedans. Mais l'artiste n'en parle plus, car il n'existe pas. Comment c'est? Qui a raison? Logiquement, dans la sphère restreinte du tableau, le professeur affirme une vérité. On ne le voit pas dans le tableau. C'est vrai. Je n'existe pas dans ce tableau-là. C'est vrai. Mais la vérité n'est autre que le tableau tout entier est mon empreinte, comme le prof qui est dedans. Dans Hébreux 11, verset 3, il est écrit, Hébreux 11, verset 3, maintenant c'est la Bible qui va parler avec nous. Hébreux 11, verset 3, est-ce que tu peux nous dire? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Merci. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'aller chercher la preuve de l'existence de Dieu dans notre livre de science, dans nos logiques scientifiques, car il est tout près de nous, à savoir la nature et nous sont des coups de pinceau de ce galas. Amen. La nature et nous sommes des bois vivants de l'existence de ce galas-là. De même, en campagne, cette fois, j'avais un but précis. En Proverbe 16, verset 4, il est dit, il est écrit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant. Pour les choses humaines. Dans Ésaïe 45, verset 7, il a dit, je fonde la lumière, je crée la ténèbre, je donne la prospérité, je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. En Somme 18, les voies de l'Éternel, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée, mais est un bouclier pour tous ceux qui se confient. C'est pourquoi, mes frères, nous devons garder la foi devant une catastrophe naturelle, garder la foi devant que la science se progresse jusqu'à faire douter peut-être de l'existence de Dieu. Dieu existe et pensez de nous, priez la main de Dieu. En tout cas, merci. Puis, est-ce que vous avez remarqué des choses en ce qui concerne les grands pays comme c'est vrai, les États-Unis, la France qui ont aidé Haïti? Et puis, souhaitez-vous dire un petit mot? Alors, merci d'abord pour leur aide et puis nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, c'est ça. Que Dieu les bénisse. Puis, alors, bonne continuation dans leur projet avec nous. Aujourd'hui, vous avez combien de tableaux ici en exposition? Seulement trois tableaux, je crois. Trois tableaux. Oui. Ça.
Merci beaucoup. Et puis le mot de la fin, un petit mot aux Haïtiens de la communauté en France qui sont un peu plus de 100 000. Bien, prends quoi? Eh bien, c'était vraiment chaleureux parce que les Haïtiens, quand ils nous ont accueillis de manière, je peux dire, aussi généreux, avec une grande joie. Donc, même chez les Français aussi, donc nous étions logés à Valence chez Michel Bozy, donc l'accueil était bon. Donc, on peut dire en général qu'on a réussi la tournée. Vous, et qu'est-ce que vous souhaitez dire aux Haïtiens dans le monde entier? Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne doivent pas décourager. Donc, il faut continuer à se mettre ensemble. D'ailleurs, nous avons notre emblème qui dit « L'union fait la force ». Alors, si on se met ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut cesser de se battre entre nous. Donc, pour garder vers l'avant, oublie cette question de soi. Donc, j'oublie moi et lui va l'oublier lui-même. Donc, on se met ensemble comme nous l'avons fait ici pour la tournée Souffle d'Haïti. Moi, je suis musicien. Donald, lui, il est peintre. Donc, on se met ensemble pour faire cette tournée. Et en plus de ça, nous avons un Américain qui est là avec nous. Il est aussi un pianiste, il nous accompagne tout au long de cette tournée. Donc, ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses et pour remettre le pays sur pied. Pour remettre le pays sur pied. Beaucoup de choses pour que le pays souffle encore. Par exemple, si on peut investir dans les jeunes, dans des enfants des rues particulièrement, parce que pour freiner beaucoup de problèmes après, dans les 2 ans à venir, il faut dès maintenant commencer à encadrer les jeunes, les enfants qui sont dans la rue. Donc, par ces moyens, par cet encadrement, et puis là, on va freiner beaucoup d'autres problèmes qui vont venir dans le futur, et avec ça on peut aller vers l'avant. En fait, maintenant nous avons un nouveau président qui de son côté a été élu démocratiquement. Donc, et maintenant nous avons un premier ministre. On espère qu'il va avoir des choses valables. Par exemple, cette question de reconstruction. Donc on espère qu'on va avoir des choses assez concrètes, des choses qui vont mettre nos Haïtiens en joie. Merci beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes très précieuses de votre temps. Et puis le mot de la fin, c'est de vous dire merci d'avoir m'accordé l'opportunité de faire l'interview, cette interview. Donc, il y a un article qui a été écrit sur la tournée, ça se trouve sur ma page sur Facebook. Donc, pour les amis qui sont connectés sur Facebook, c'est Wester des Amours. Donc, ils peuvent lire l'article qui, pour nous, en Haïti, donc, c'est un Français qui l'a écrit et il a félicité tous les musiciens haïtiens, des artistes peintres haïtiens, et parce qu'il a dit dans cet article qu'en Haïti, il y a beaucoup de talents, beaucoup de gens de valeur, donc ils ont été très 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 satisfaits et pour nos performances et les concerts, donc c'était vraiment fantastique. Et une dernière chose, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot, c'est vrai, aux étrangers par exemple, aux Français, aux Américains qui aident Haïti, qui soutiennent Haïti de loin dans leurs... Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de remerciement? Eh bien oui,
la parole de Dieu. Donc il faut bien se connaître Dieu et comprendre Dieu, parce que la foi, il est là. Donc, et par la foi, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc il ne faut pas rester tout simplement à regarder comme ça, à porter des choses à nos Haïtiens. Donc il faut aider nos frères Haïtiens à avancer plus près de Dieu, et avec ça, Dieu nous va nous aider à reconstruire le pays lui-même. Merci beaucoup, monsieur, et puis bon courage. Qui ça, moi, je voulais dire pour Haïti? Oh, moi, je voulais dire Haïti. Mwen vle di nap kembe, oui. Nap boule, epi nou ka fe tout bagay ak bonje, li te di nan parol li ak Jezi, pa enyen imposib, epi mwen vle ankoraje moun ki gade kounya, paske avek Jezi li ka ede nou fe nenpot sa li vle pou nou. Merci beaucoup, monsieur Stephen Anderson. Voilà. Et puis, il est capable de dire Kembe Red, et pas baisser les bras. Et puis, n'a pas être. Et bientôt. Grâce à Dieu. Ok, merci. Okay, merci.